Hallelujah, hallelujah. Sois sûr que tu acclames pour Jésus. Hallelujah, il mérite nos acclamations, les dieux vivants, les dieux grands, les dieux puissants, Seigneur Dieu. Nous te élevons, nous te glorifions. Hallelujah. Merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour tout ce que tu as fait pour lui? Depuis les débuts de cette retraite, il nous a soutenus. Il nous a parlé. À lui l'honneur et la gloire. C'est lui qui nous amène de gloire en gloire. Et victoire en victoire. Donne-lui les acclamations qui lui est due. Allez. Glory Father name Jesus. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons, Père. À toi soit l'honneur et la gloire, la puissance et la majesté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais avec nous, Seigneur. Et merci pour ces dimanches matins, Seigneur, que tu as choisi dans ta préscience, ô Dieu, afin de nous communiquer ta pensée, ta parole. Que rien à moi ne puisse empêcher quelqu'un d'être béni. Utilise nos mots, nos phrases, nos mouvements, Seigneur. Et que le Saint-Esprit prêche au travers de nous. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Pouvez-vous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous et shalom. Que Dieu soit béni pour cette opportunité qui me donne d'être là. Et je m'en vais une fois de plus remercier l'homme de Dieu, l'ange de cette église, celui qui est établi. Le pasteur Dédé Landou, qui est un modèle pour moi et pour le corps du Christ. Et ce n'est pas quand on a commencé Mac. Ce n'est pas quand on a commencé Mac qu'on a appris à l'aimer. Mais c'est depuis que nous étions jeunes. Nous louons en tout cas son dévouement. Son zèle dans l'œuvre de Dieu. Sa ponctualité dans l'œuvre de Dieu. Et on s'est aiguisé ensemble. Et nous croyons quelque part si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est tout simplement le fruit de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Je peux vous le dire, il y a certaines personnes qui l'ont rejoint quand Mag a commencé. Mais il faut nous voir lorsqu'on a commencé. Et on peut voir en tout cas l'assistance de Dieu, la main de Dieu. Que Dieu le bénisse et l'amène encore plus loin, ainsi que sa femme, Maman Jolie. Que Dieu soit béni. Et le pasteur m'a laissé le privilège de présenter ma femme. Donc, comme vous le savez, elle s'appelle mon nom, mais en swahili. Donc, tout ce qui est parfait, tout ce qui est saint, veut dire tout simplement tout ce qui est safi. Elle m'avait aimé alors que je n'avais rien. Sans l'onction montée. Alléluia. Alors qu'elle était à la Cora de la jeunesse, moi j'étais responsable aussi à l'époque en cadre de la jeunesse. J'étais en train de prêcher, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Et je recevais des inspirations derrière moi.
Et Dieu m'a conduit vers la gloire. Alléluia. Et elle m'a facilité la tâche. Hein? Je l'avais demandé la main. À 16h à Royal. Na 16h na Royal. Elle m'a répondu à 16h 2 minutes. Ayanolinga na 16h 2 minutes. Shaka pataraba sataraba kaya sata. Hallelujah. Quand il y a déjà la connexion. Soki bo sanganisé zoami. Quand il y a déjà la gloire. Soki nkembo se zoami. Alors pourquoi aller par deux trois chemins? Et bon sikoyo oluka banzela mi balemi sato pona. Elle priait, moi aussi j'ai prié. Aki ko bondela nga pe na ko bondela. Et je vous assure que je suis l'homme le plus heureux de la terre. Pena ndimisi bino na za moto na isi. L'aime le Seigneur, rempli d'onction, rempli de dons spirituels, rempli de patience. Alinga kankolo atonda ne pa kwa motema monene atondi na bonzambe. Et nous avons quatre enfants. Petosa na bana minei. Shekina, Doxa, Salem et Sifa. Shekina, Doxa, Salem na Sifa. Et nous sommes en train d'évoluer au mois de décembre. Nous allons totaliser 15 ans. Petoko koba ilongo na sata zomina mibaleto. Sambu zomina mitano. 15 ans. Zomina mitano. Sans taper. Sans conflit. De gloire en gloire. Et on doit prêcher au Jésus. Je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur aime l'église. Il s'est donné pour elle. Que Dieu soit béni. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons pouvoir partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et c'est juste une phrase simple. Manifester la gloire de Dieu. Et je sais que on a défini la gloire de Dieu. On ne voulait pas faire encore de redit. On nous a parlé des principes qui régissent la gloire de Dieu. J'ai beaucoup aimé en tout cas les hommes de Dieu qui ont défilé ici. Et j'étais fort étonné de voir la profondeur, la manière des approches. Et chacun dans sa particularité. Et dans la complémentarité. On a su cerner la gloire dans toutes ses profondeurs. Dans les exigences de la gloire. L'humilité. La sainteté. On nous a parlé sur la gloire. Et si je retenis comme une sorte de refrain en ces lieux. Chaque orateur avait la soif. C'était comme une phrase qui se répétait chaque fois. C'était maintenir dans la gloire. C'est vrai, nous allons arriver à la gloire. C'est vrai, nous allons atteindre la gloire. Mais chaque orateur insistait sur le fait du respect de règles afin que ce séminaire ne soit pas une lettre morte et que nous puissions vivre le retombé de ce séminaire et que chacun arrive à sa gloire et que chacun puisse se maintenir dans la gloire, durer dans la gloire et nous croyons que Dieu va nous aider. Alors que je vais conclure pour du moins mes prestations, je veux que nous puissions relire encore le verset 17 du chapitre 3, le verset 9. On dit, totanga lisusu mo kapo na misato molongo na nibwa. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Je nous propose encore Ésaïe chapitre 6. Le verset premier. Je m'en vais lire. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Et le pan de sa robe remplissait les temples.
Les séraphins s'étaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Dedans, ils se servaient, et plutôt, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient le pied. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, 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 et l'Éternel, l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Manifestez la gloire de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, oui. Il en est une chose de comprendre la gloire de Dieu. Mais il en est une autre chose de pouvoir la manifester. Et pendant que je priais Dieu en ce dimanche matin, le Seigneur m'a confirmé au plus profond de moi-même que ce vrai des choses ont été dites. Et chacun de nous, partout où Dieu va te fixer, partout Dieu va t'emmener, peu importe la réalité actuelle, le Seigneur atteste que tu vas manifester la gloire qui est déjà en toi. Démontrer ce que tu as reçu, manifester les grâces que tu as obtenues. Et lorsque nous disons de la gloire, c'est vrai, nous nous mirons par rapport à Christ lui-même. La Bible nous montre qu'il était le reflet, ou bien il est le reflet de la gloire de Dieu. Même au début de son ministère, il a manifesté sa gloire. Dans Jean chapitre 2, le verset 11, lorsqu'il a changé l'eau en vin, et la Bible nous dit que tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus, que fit Jésus, il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Il exposa sa gloire. Bien aimé, il est impossible d'entrer déjà de vous dire que pour manifester sa gloire, numéro un de notre message, il m'a dit, tu dois connaître et être conscient que tu as la gloire de Dieu. C'est pourquoi, frère, on peut comprendre qu'il est impossible de manifester la gloire de Dieu si on ne comprend pas qu'on a la gloire de Dieu. Si on ne comprend pas qu'on possède la gloire de Dieu. Je ne mérite pas simplement que tous les versets qu'on nous a donné ici, le point crucial de message, que ça reste juste de lettres dans nos canevas, mais que ces choses deviennent de réalité et que chacun comprenne qu'après ces enseignements, je possède la gloire de Dieu. Et quelqu'un a dit ceci, le ciel ne peut rien faire avec quelqu'un qui sent qu'il ne peut déjà rien faire. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu. Alors ce séminaire a comme objectif de nous faire comprendre que nous avons en nous la gloire de Dieu et que cette gloire doit se manifester. C'est là où on a une confiance en soi, que je possède ces choses et que je dois la manifester. Tu ne peux rien donner si tu n'as rien. Et c'est là cette gloire qui est logée déjà en toi. Je suis fort convaincu de dire à quelqu'un, même si cette gloire n'est pas encore visible, mais durant ces 14 jours, Dieu a imprimé sa gloire. Dieu a imprégné sa gloire dans sa vie. Ainsi, sois conscient que tu es porteur
de la gloire de Dieu. J'aimerais parler à toutes ces personnes qui ont suivi avec intérêt cet enseignement. La gloire répond à la notion de la maison. Partout où il y a eu le temple, il y a eu la manifestation de sa gloire. Que ce soit le temple de Salomon, que ce soit même le temple d'Agé et même le tabernacle, ça répond à un lieu fixe. Or, nous, dans le Seigneur, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Le lieu où la gloire de Dieu doit se manifester. C'est pourquoi je comprends que tu ne finiras pas ta vie là où tu te trouves. Alors, je crois que je parlais à quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie là où tu te trouves. Il y a une gloire qui va se manifester dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton église, à telle enseigne que les gens peuvent dire, jamais pareil songe n'est déjà accompli. Et tu es candidat à la gloire de Dieu. Ça se trouve en toi. Oh, je n'ai pas assez de temps pour vous en parler. Même dans ton corps doit refléter la gloire de Dieu. Parce que tu as quelque chose. Arrête de penser que tu es inutile. Le diable va créer des choses pour te complexer et empêcher que ta gloire se manifeste. Est-ce que tu vis des difficultés, l'adversité, les gens se s'opposent à toi? Et des fois dans notre société, ça t'enferme dans le complexe. Et tu n'arrives pas à extérioriser ta gloire. Mais ce dimanche matin, je suis venu comme briser la glace. Guérir cette fissure avec ton homme extérieur. Comme Gédéon, je veux te dire, va avec la force que tu as. Il y a une gloire que Dieu va manifester dans ta vie parce que tu as quelque chose. Et même Christ lui-même, frère, ce n'est pas de l'orgueil. Dans Jean chapitre 17, le verset 24, il dit ceci: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Christ montre qu'il avait déjà la gloire. C'est pourquoi il manifestait la gloire. Lorsqu'on parle de Christ, les gens pensent qu'il fait, il était Dieu. Mais quand il est venu sous la terre, il est aussi 100% homme. Dans cet aspect des choses en tant qu'humain, il devait être sûr de certains principes. Pour ce ministère glorieux, il était conscient qu'il avait la gloire de Dieu. Ainsi, il pouvait dire, donne-moi cette gloire, ma gloire que j'avais. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, on nous parle de cet évangile. L'apôtre Paul dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Le verset 4: pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur. Et là j'ai souligné dans ma Bible la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'évangile de la gloire. Christ est sa parole. L'évangile est la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle! La bonne nouvelle de la gloire. Donc, si l'on répète chaque jour,
que la gloire de la seconde maison sera plus grande. C'est l'évangile de la gloire. C'est pour dire à ces pauvres que la pauvreté ne fait pas partie de la gloire. Mais la bonne nouvelle, l'évangile de la gloire, c'est que le pauvre dise: je suis riche. Que les malades disent: je suis guéri. Que les faibles disent: je suis fort. C'est la bonne nouvelle de la gloire. Qu'il a la capacité de purifier ta lèpre. C'est l'évangile de la gloire. Ainsi, lève-toi dans ton lieu de gloire et brille. Tu as quelque chose à donner dans ce monde. Et ne meurs pas avant d'avoir extériorisé toute la gloire que Dieu a déposée en toi. Et le Seigneur le fera. Parce que tu as quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, et le monde verra ce que Dieu fera. Car c'est un Dieu fidèle. Et pour manifester sa gloire. Deuxièmement, il faut savoir que la gloire est incompatible avec le péché. C'est vrai, il y a la génération d'Eliakim. C'est vrai, il y a la génération de ceux-là qui vont manifester une seconde gloire. Mais il est important là que nous sommes en train d'atterrir, de rappeler ce point qu'il y a incompatibilité entre la gloire et le péché. C'est l'évangile de la gloire. L'évangile de la gloire ne consiste pas simplement à gloire, bénédiction matérielle, mais l'évangile de la gloire consiste à montrer qu'il y a incompatibilité entre la gloire et le péché. Une gloire dans le péché n'est pas la gloire. Donnez ça une autre définition. Sans la sanctification, il n'y a pas une vie de gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça montre la suffisance que celui qui est appelé à vivre dans la gloire doit rechercher la sanctification. Et dans toutes ses formes, la sanctification par position. Lorsqu'on est de nouveau, la sanctification progressive dans notre marche de tous les jours. Mais aussi la sanctification finale. Parce que de la même manière, nous marchons de gloire en gloire. Cette gloire doit aboutir à la gloire céleste. Et ne peux-tu avoir accès à cette gloire céleste que celui qui travaille dans la sainteté, dans la crainte de son nom. C'est pourquoi Esaïe dit: l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait les temples. Et Esaïe reçoit la révélation du trône de gloire. Il était appelé, son oncle était Ozias. Esaïe a travaillé dans la cour royale. Il était habitué à tout le mouvement qu'on trouve dans la cour royale. Mais tant que son oncle était vivant, il y avait comme un obstacle avec sa gloire, avec sa vraie révélation. Esaïe n'arrivait pas à manifester sa vraie gloire. Peut-être qu'il comptait sur son oncle. Mais la Bible nous dit:
L'année de la mort du roi Ozias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il faut que les Ozias tombent pour que chacun manifeste sa gloire. C'est vrai, c'est un évangile qui envoie des disparitions. Mais les Ozias doivent tomber. Tu ne peux pas vivre la gloire dans les osias de l'impudicité, dans les osias frères de l'orgueil, dans les osias de double vie, dans les osias de la masturbation. Il faut qu'il meure. Et quand Osias va mourir, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Et quand Esaïe a vu la gloire de Dieu, il a dit le séraphin se disait l'un l'autre: Saint. L'atmosphère de la gloire, c'est l'atmosphère de la sainteté. C'est lui qui vit dans la sainteté qui crée l'atmosphère propice afin qu'il manifeste la gloire de Dieu. Et la Bible dit: sans la sanctification, sans la sanctification, on peut vous imposer le main. On peut avoir un prophète sniper. Il peut cibler tes origines. Il peut te donner des orientations. Il peut t'informer de ce que Dieu peut faire avec toi. Mais si tu ne crées pas l'atmosphère de la sainteté en toi, je dis que ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas saluer la sainteté de Dieu au loin. Tu ne vas pas saluer ta gloire au loin. Mais dans la sainteté, tu cultives toi-même ta gloire. Tu travailles toi-même ta gloire. Demandez aux hommes de Dieu qui sont là pour atteindre cette gloire. Des moments d'abnégation, des moments de sacrifice. Cette génération fait voir la gloire. Mais cette génération ne fait pas payer le prix de la gloire. La sainteté, la sanctification est bien aimée dans le Seigneur. La sanctification fait partie de l'évangile de la gloire. Sans sanctification, pas de cabosse. Sans sanctification, pas de doxa. Sans sanctification, pas de shekina. Que la sainteté de Dieu te localise. Je dis, la sainteté de Dieu te localise. Car la Bible dit: voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Il vit dans la sainteté. C'est pourquoi, frère, la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce dimanche, le fait que tu écoutes la parole de Dieu, tu es déjà pur. Je dis, tu es déjà pur. La Bible dit: la parole de Dieu a la capacité de séparer jointure et moelle, de séparer le péché d'avec la lumière. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, je prie le Seigneur que la loi de mise à part te soit donnée. Parce que sainteté veut dire mettre à part. Sainteté veut dire mettre à part, ornique, dans une grande maison. Il n'y a pas simplement des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'argile. Tu peux être des vases d'argile, un vase en or, mais cela ne compte pas. La Bible dit: dans une grande maison, il y a des vases en or. Quand vous le voyez, ils sont passés par le feu, ils sont en or. Gloire au Seigneur. Il y a des vases aussi en cristal, bien polis par le feu. Ils sont là. Gloire au Seigneur. Dans une grande maison, il y a des vases aussi d'argile. On ne le voit même pas encore. Ce n'est pas grave. Mais la
Bible dit, le vase, qui se sanctifie, qui se consacre, c'est ce vase là qui sera porteur pour la gloire de Dieu. Je prie le Seigneur que ta sainteté soit couronnée de toi. Les séraphins crient saint, saint, saint. Lorsque tu es dans ta gloire, la gloire attire la sainteté. La sainteté attire la gloire. Si tu veux la gloire, aime la sainteté. C'est pourquoi je t'annonce, dans cette église, il y a des hommes et des femmes mis à part. Si tout le monde pêche, ce n'est pas que tous les prophètes pêchent. Si tous les pasteurs pêchent, ce n'est pas que tous les pasteurs de la RDC pêchent. Si les pasteurs touchent à l'occultisme, ce n'est pas que tous les pasteurs sont des chefna, mais il y a aussi des pasteurs de la race d'Eliakim, mis à part, qui vont porter la gloire de Dieu. J'attends dans mes oreilles, dans cette église, dans cette génération, Dieu a choisi, ils sont mis à part. Il prépare une gloire, une gloire dans ma génération. Ils seront sanctifiés, ils seront de la race de Samson, des Naziréens. Où est l'évangile des Naziréens? On en parle plus. Je ne touche pas aux femmes parce que je suis Naziréen. Je ne touche pas à la boisson parce que je suis mis à part. Je ne sais pas si tu vas dire amen, mais tu fais partie des races mises à part. Aide-moi à dire à ton voisin, la sainteté, la sainteté convient dans sa maison. Oh, tu es la maison de Dieu. Vis dans la sainteté. Les Osias vont sculer et toi tu vas prier. C'est pourquoi j'aime la sanctification, c'est être mise à part. C'est pourquoi tu vas prier. C'est pourquoi tu vas prier. Oh, quand vous allez dans les mathématiques, si on veut conjuguer une équation à plusieurs inconnues, il y a des choses qui sont entre parenthèses. Pour qu'on puisse résoudre cette équation, on veut amener cette famille dans la gloire. On veut amener cette église dans la gloire. Il y a trop de crochets, il y a trop d'entre parenthèses, il y a trop d'entre parenthèses. Mais en science, on prend un élément qui est entre parenthèses, on le met à part. Oh, la sainteté, oh, la sainteté fait dire mettre à part. C'est pourquoi, frère, tu étais l'élément dans ta famille pour résoudre les équations de ta famille. La main de la sainteté est partie te toucher dans l'entre parenthèse et il t'a mise à part. Est-ce que quelqu'un reçoit l'évangile de la bonne nouvelle? Respecte les gestes des barrières. Dis à ton voisin, mettre à part. C'est ça la sainteté. Si tu étais à moins, quand on te fait sortir de l'entre parenthèses, automatiquement tu chantes des signes. Si tu étais un moins, quand tu sors de l'entre parenthèse, tu deviens un plus. C'est pourquoi j'annonce, la sainteté va transformer ton signe. Tu ne seras plus dans l'entre parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des églises mises à part. Il y a des églises. Aïe aïe aïe, Covid. Il y a des églises mises à part. Je ne suis plus dans l'entre parenthèse. Je suis sanctifié. Et quand tu es en dehors de l'entre parenthèse, tous les éléments qui se trouvent dans l'entre parenthèse sont conjugués par rapport à ton signe à toi. Et quand tu touches à moins, plus à plus, ça devient à moins. À
accorde ton signe à toi. Et jusqu'à ce que les crochets, les parenthèses vont s'enlever. Et on va écrire ce qu'il fallait démontrer. C'est pourquoi j'annonce pour ta vie. Il y a quelqu'un qui a écrit ce qu'il fallait démontrer à la croix. Il a dit tout est accompli. Il est ma sainteté. Je vivrai la gloire dans ma génération. J'entends dans mes oreilles. Dans cette église, il y a des politiciens mis à part qui vont changer la donne de mon pays. Il y a des hommes d'affaires. Reçois la prophétie. Reçois la prophétie. Reçois la prophétie. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. L'église qui s'est sanctifiée. Tu vivras comme Daniel. Un esprit supérieur. Toi qui nous suis à la télé, ces jeunes gens ne sont pas passés ici pour amuser la galerie. Ces prédicateurs n'ont pas défilé ici pour amuser la galerie. Nous avions reçu la grâce de Dieu, le message de Dieu, pour dire au peuple de Dieu, il y a une sélection divine. Des hommes et des femmes jeunes, mais ils n'ont pas pour l'évangile. Ils vont relever les défis. Ils vont reconstruire le christianisme. Christ. Saint, saint est l'éternel. La terre est remplie de sa gloire. Jeunes gens, je peux vous le dire. Les gens nous acclament. Mais demandez à madame. Convertis jeunes. Mais plus on avait la vision de la gloire. En aucun jour, responsable de la jeunesse, en aucun jour, on a fait la cour à une sœur. On a vu la gloire de Dieu. Demandez à papa. On a vu des foules. On a prêché dans des campus. La crème politique. On a prêché dans les églises. Où vous sentez la prospérité. Mais depuis la jeunesse, nous savons que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Alléluia! On se préserve. Et Dieu nous donne ce qui suit après la sainteté. Je ne sais pas ce dimanche matin. Excusez-moi. Peut-être que tu étais venu écouter l'onction de la gloire. Mais écoute la bonne nouvelle de l'évangile de la gloire. La bonne nouvelle que Daniel m'a enseignée. Que pour régner dans la cour royale, même s'il y a des satrapes, même s'il y a des magiciens, même si je suis loin de Jérusalem, mais je ne fléchirai jamais mes genoux devant la statuette. Car je suis de la race mise à part. Je déclare ce matin, reçois l'onction de la distinction. Tu vas manifester la gloire. Tu vas manifester la gloire. À l'instar de Joseph, trahi par ses frères, vendu injustement, mais jamais péché. Le seul patriarche, loin de son père, n'a eu qu'une seule femme. Malgré les blessures intérieures, il n'a pas cherché à satisfaire ses désirs au travers de voies sexuelles. Mais il s'est gardé une seule femme. Tu veux la gloire de Joseph? Suis le chemin de Joseph. Dans la sainteté et dans la crainte de son nom. Mais cette église, homme de Dieu,
Je priais Dieu. Et même quand je prêche là, ma femme sait que ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ce vers, je l'avais dit, c'est que j'allais prêcher aujourd'hui. Mais c'est vers 3h30 que le Seigneur m'a donné cette direction. Il dit, écoute, peuple de Dieu, tu vas manifester la gloire si tu apprends à cultiver et à travailler dans l'unité. Dans l'unité. Bien-aimé, écoute les paroles du Maître. Il dit ceci dans Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et il nous donne le pourquoi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Je leur ai donné ma gloire que tu m'avais donné. Mais écoute, il dit afin qu'ils soient un. C'est tout. Et ce qui est afin qu'il soit un. Na tine te basa la moko. C'est lui-même l'apôtre de la gloire. Esa yé moko nen toma nan kembo. Christ lui-même. Christ yeme. Il dit, je leur ai donné ma gloire. Alobi na pesi bango kembo na ngadi. Pour un but. Pona tina lioko. Afin qu'il soit un. Na tine te basa la moko. Profondeur de la parole de Dieu. Osindo ya lilo bananzambe. Et il dit, pe alobi. Comme toi, le kola yo et le Fils, vous êtes un. Nambuwa na bosa moko. Moi en toi, ngai kati na yo. Toi en eux, yo kati na bango. Afin qu'il soit na tine te bazala parfaitement un. Na boko kibonso moko. Et que le monde connaisse. Pemo kile yeba. Voyez-vous. Bomoni yango. Voyez-vous. Bomoni yango. J'aime que les paralytiques marchent. J'aime que les morts ressuscitent. Ça n'impressionne pas Dieu. C'est ce qui impressionne Dieu. C'est quand lorsque ce chose se manifeste. Et que parmi vous, vous êtes un. C'est la raison de cette retraite. De gloire en gloire. Afin que nous soyons un. J'aime que l'église grandisse. Même nous-mêmes, on a commencé le troisième culte. Mais ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Devant Dieu, il y a des myriades et des myriades des anges qui n'ont pas péché, qui l'adorent. La foule n'impressionne pas Dieu. On a mal défini la gloire actuellement. Quand tu as une église de 20 000 personnes, c'est la gloire. Quand il y a une église qui est remplie de stades, c'est la gloire. Je ne suis pas contre cela. Nous-mêmes, nous sommes en train de voir la croissance numérique. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons 20 000 âmes, mais ensemble fusionnés. Vivent dans l'amour, dans l'unité. Je déclare que la gloire ne va pas nous séparer. Je déclare que la gloire ne va pas nous diviser. C'est afin que nous soyons un avec mon frère Dédé. C'est alors, la Bible dit, le monde connaîtra. C'est alors qu'on va manifester. L'église est salie actuellement. Avec la division des pasteurs, les gens s'empoisonnent. On se critique à la longueur de la journée. Mais afin qu'il soit un. Et il dit, comme toi et moi, la fusion. Vous savez, on peut être ensemble, mais pas unis. L'uniformité ne fait pas l'unicité.
On peut être dans la même chorale. On porte nos uniformes. Mais sans être unis. L'unité qui apporte la gloire. C'est cette fusion d'unité. Oh mon Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2. La multitude qui avait cru. Et imaginez la multitude qui avait cru. Parce que actuellement on a du travail. On veut que nos églises locales atteignent cette dimension des apôtres. Que le miracle extraordinaire se passe au milieu de nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La multitude qui avait cru avait une seule âme. Une seule pensée. Il y avait une conjugaison l'un l'autre. Une fusion sincère. C'est là où il y avait des prodiges. C'est dur, mais on va arriver. Et que nous tous nous puissions regarder à la même direction. C'est cette unité là que même le monde spirituel ne peut détruire. Dans Genèse 11, Dieu lui-même dit, ce peuple forme un seul homme. Et Dieu de dire, rien ne peut les empêcher de faire quoi que ce soit. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu seul sait que s'ils sont un, il y a la puissance dans l'unité qui amène la gloire. Et frère, le ministère de l'Esprit vient nous restaurer ce que la tour de Babel avait détruit. Ils se sont séparés en langues. Oh, à l'époque, ils avaient une seule langue. Mais au-delà de la tour de Babel, Dieu a choisi la chambre haute. Dans la chambre haute, Dieu a ramené une seule langue. C'est vrai, il y avait des crétois. C'est vrai, il y avait des parthèses. Mais le parler en langue est venu comme démontrer l'unicité du corps du Christ. C'est pourquoi, frère, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous tous regarder à la parole de Dieu et vivre des choses surnaturelles. Je supplie d'ailleurs ces choses. Alléluia. Je supplie d'ailleurs ces choses. Que ce Dieu de gloire le fasse. Et que nous soyons un. Comme Fils et le Saint-Esprit sont un. Tata, moi n'a pas mon limo basa moko. Et si nous allons vivre le surnaturel, manifester le surnaturel. Regardez dans toutes les églises. Là où vous voyez, entre guillemets, Dieu se manifester. Allez à la profondeur. Il y a cette richesse de l'unité. Oh Dieu. Oh Nzambe. Que nous puissions briser les barrières communautaires. Que nous puissions briser les barrières ethniques. Et que Pierre et Jean puissent monter ensemble à l'heure de la prière. Et si nous verrons des miracles pullulés parmi nous. Je le dis à Mimosa, je le dis encore ici. Soyons des complices de nos églises. Ne parlez pas du mal de votre pasteur. Un seul esprit. Ne parlez pas du mal de votre responsable. Nous crachons sur ses enseignements. On parle de la gloire. Mais quand on sort de ces quatre murs,
C'est cette gangrène qui ronge l'église, des murmures, des critiques. On est ensemble, mais pas unis. Mais nous allons combattre les antivaleurs à l'église par la puissance de la parole, de la sainteté, de la loyauté, de la fidélité et vivre la gloire de Dieu. Oh, si tu l'as, donne-moi trois fois. Amen. Alléluia. Et frère, je vous donne la cerise sur le gâteau. Pour manifester ces choses. Je sais que les exemples sont légions. On peut encore ajouter des éléments et des éléments. Je prie seulement les quatre que Dieu m'a mis à cœur. Et la dernière de choses, et même l'apôtre Paul le dit, c'est comme c'est un chemin incontournable. Il dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Et il termine l'esprit. L'esprit, frères et sœurs, pour manifester, extérioriser, démontrer la gloire de Dieu. Je le dis comme un prophétisant. Continuons à être remplis, à être remplis de l'Esprit de Dieu. Ce n'est que par le biais de l'Esprit de Dieu qu'on deviendra des catalyseurs de la gloire. Parce que le Saint-Esprit connaît la direction de la gloire. Et Christ même l'avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Car si je ne m'en vais, l'Esprit de Dieu ne peut descendre. Or, quel est son rôle? Il viendra me glorifier. C'est lui qui sait glorifier Jésus dans son église, le Saint-Esprit de Dieu. On doit continuer à désirer, à être rempli et rempli encore de l'Esprit de Dieu. Je priais le Seigneur qu'au-delà du parler langue, que tu développes l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit d'amour. Car la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, on l'appellera conseiller. Je mettrai mon esprit sur lui, le cette dimension du Saint-Esprit qui te permettront de libérer la gloire dans la sainteté. Car lorsque tu es rempli, débordé de l'Esprit, c'est alors que les gens verront que tu manifestes la puissance de Dieu. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit et tu dois être rempli jusqu'à déborder. Ainsi, les mêmes chansons, le même micro, mais la différence, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le même verset, la même chair, le même français. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras la loi de la différence. Je prophétise que cette église devienne comme le torrent de l'Itima. Le torrent d'Ézéchiel, où l'eau va couler, l'eau d'image du Saint-Esprit, où les gens qui vont toucher le Saint-Esprit et qui vont extérioriser la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'étais censé de dire midi en langue, parce que quand tu parles la langue, en réalité tu entres dans la dimension de la gloire, parce que le Seigneur c'est l'Esprit.
Et quand tu parles la langue, tu parles de merveilles de Dieu. Tu parles de directives de Dieu. Et c'est ce qui va t'apporter ta gloire. C'est pourquoi comme l'esprit qui agit comme le vent, on sait toucher le vent. On sait arrêter le vent. Ainsi quand ta gloire va se manifester dans la dimension du souffle, personne ne va arrêter le vent. Personne ne va arrêter ton ministère. Je prophétise brille. Je prophétise brille. Que l'esprit de Dieu t'amène dans les dimensions que tu n'as pas encore atteintes. Je le déclare. L'esprit t'amène dans des hauteurs très élevées. Comme la Bible dit, au commencement, l'esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des eaux. Je n'ai pas besoin de définition. J'ai besoin simplement de me mouvoir dans la dimension du Saint-Esprit. Il aura la capacité de me rendre dans ma génération. Il sera là quand j'aurai des difficultés. Il viendra me rendre. L'onction du Saint-Esprit n'est pas expirée. L'onction du Saint-Esprit n'est pas expirée. Ça va encore aujourd'hui pour sélectionner des hommes et des femmes qui vont relever le défi parce qu'ils seront remplis de l'esprit de force. Ils vont lutter contre les épreuves parce qu'en eux il y aura l'esprit de force. Attendez-vous à voir les retombées de ce séminaire. Il y a certaines personnes en sortant de nos réunions, seront tellement remplis du Saint-Esprit que lorsque vous entrerez dans votre bureau, partout il y a des talismans, partout il y a des amulettes, l'onction du Saint-Esprit, je sens que je prophétise, va briser les jougs. Parce que la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera là où ta vision t'a montré. Il connaît le chemin. Quand tu parles la langue, le Seigneur te dit, je fraye un chemin afin que tu pries. À qui je parle ce matin, n'attends pas le baptême la semaine. Nous à l'église, même le dimanche, on fait le service parce que le Saint-Esprit ne choisit pas des jours. Il dit voici ton jour de prier, de manifester la puissance de Dieu. Toutes ces personnes qui exercent le ministère de la parole, nous quittons cette chair. Et je prie mon Dieu qui appelle à faire prier ton ministère. Tu te ouignes. L'esprit. Et tu diras, l'esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour publier une année de grâce, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour envoyer libres les opprimés. Oh Tarabaskata, ceux qui parlent la langue peuvent m'aider à ta prière. C'est le temps de manifester. Ça c'est le doigt de Dieu. Chakaba, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le doigt de Dieu. Chakaraba séché. Où est cette église? Où est cette église? Où est cette église? Je veux manifester ta gloire.
L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras changé à un autre homme. L'Esprit vient amener la gloire de cet homme. Bien-aimés, nous sommes en prière. Je sais quand il est là. C'est un travail de profondeur. Des mises à part ce matin. Des mises à part ce matin. Il m'est caché. J'attends dans mes oreilles. Il m'est caché. Ce qui t'a dit toute la semaine. Il m'est caché. Bien-aimé, désirez dire encore. Désirez encore. La profondeur amène la profondeur. Le chemin de la gloire exige la soif. J'ai déjà vu Dieu. Mais je vais encore. Est-ce que quelqu'un peut changer l'atmosphère? Parobo sheke mama bra. Et pas de robot sheke bébé bro. Je ne t'impose pas les mains aujourd'hui. Je prie que le Dieu que tu as servi durant ces 14 jours qu'il mette un saut dans ton cœur, la conviction de mise à part, la conviction de mise à part. Tu es cet agent de la gloire. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. Libère les eaux d'en haut. Père, dans toutes ces salles. Libère les eaux d'en haut. Les eaux de la sainteté. Les eaux de la sainteté. Les eaux de la purification. Bien-aimé, il y a un fleuve. Il y a un fleuve qui coule en ces lieux. Il y a un fleuve qui coule en ces lieux. Robo Shakabarebe. Yepaka Robo. Puis ce dimanche matin. Mets ta vie en règle. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la gloire. Puis là où tu es, ne pensez plus aux événements passés. Je te pardonne. Je te purifie. L'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. La terre est remplie de sa gloire. Entre dans cette dimension de sainteté. Que tes yeux s'ouvrent. Que la flamme brille en toi. Rabba sheke bebe brososo. Yata rabba sheke rebe soto. Et par robo sheke. Reçois la conviction. Reçois la conviction. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et Dieu va t'utiliser. Dans cette famille. Dans ta génération. Si tu sens que c'est toi que je, à toi que je parle. Si c'est à toi que je parle. Si c'est à toi que je parle. Je ne vais pas t'imposer les mains. Mais lave ta main là où tu es. Si tu es assis, tu sais que c'est toi. C'est un appel aujourd'hui. Ou kabare beskete.
que tout ce qu'on a dit ici. Et que nous sommes le bas. Ça passera par toi. Et que les canons seront là. Mon Dieu. Zambenanga. Mon Dieu. Zambenanga. La loi de l'exception. La loi de l'exception. Je rassemble toutes les paroles dites ici. Depuis le premier jour. Au midi en prière. Hier. Lobby. Avant-hier. Lobby. Je prie ce Dieu-là. Qu'il te localise. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. La combo de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La combo de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. La combo de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La combo de Jésus-Christ. Quelque chose se passe ici. Et le comment réseau salama. Je sens la gloire de Dieu monter. Je suis tenté d'arrêter ces instants à cause. Si nous pouvons être tous debout. Mon tous Dieu. Debout. Oh Dieu. Oh, Nzambe. Oh Dieu. Oh, Nzambe. C'est aujourd'hui. Et ça, l'élo. Je me dis seulement c'est aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Mais quelque chose va se passer aujourd'hui. Ne soyez pas distrait. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sens la foi qui monte. Je sens la foi qui monte. Que ce dimanche soit un dimanche de visitation. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie qu'une onction spéciale descende sous toi. Ça commence, commence à prier. 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 N'attends pas la semaine. N'attends pas la semaine. Quand l'eau est agitée, jette-toi. Ne vois pas tes vêtements. Ne vois pas tes titres. Rotoko shote ya kamandere. Yetaraba sheke meme brozu. Alléluia. Amenez-moi la soeur là. La soeur là, oui. Elle là, elle là. Le main levé, oui. Tu étais localisé ton jour. Zama komona zama kolona yo. Parobo shaka, pandorobo sheke ma brosata. Yaza, prie avec elle, prie avec elle. Bien aimé, il y a une connexion qui va se passer. Je sens qu'on est tellement unis. Que tout ce qu'on va amener la maman là, quelque chose se passe. N'attendez pas la semaine, s'il te plaît. N'attendez pas la semaine, s'il te plaît. Ceux qui tombent, ramenez-les ici devant. Dieu est en train de faire des choses. Je sens ça fort dans mon esprit. Il y a les mamans qui sont en ces lieux. Il y a des générations qui vont sortir de vous. Même si tu n'es pas encore marié. Même si tu n'es pas encore marié. Le Dieu des esprits des prophètes va te localiser. Tu as dit aujourd'hui. 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 Je vais te voir. Je prie maintenant que le Saint-Esprit, là où tu es, commence à te localiser. En chemise, là, là, oui, là, elle là. Elle là, elle là, 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 oui. Mato, 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 mato. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste. Ça s'élève sous toi. Ça s'élève sous toi. Ça s'élève sous toi. Il y a une forte présence ce matin. Il y a une forte présence ce matin. C'est un dimanche où Dieu va attester. My God, Chisota Baba Bro. Oh Shaba Bro. La sœur en mauve, 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 là, oui. Elle là, oui. Elle là, oui. Laissez-la, laissez-la. Fire! 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 Fire!
tu vas manifester la gloire de Dieu. Certaines personnes sentiront comme le feu. Dans leurs mains, ça va monter. Ça va monter. Mon Dieu. Mon Dieu. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Ça sera fort. Ça sera fort. Au milieu de la salle. Je vois celui. Voilà. C'est l'onction de la sainteté. La mise à part. C'est un dimanche glorieux. C'est un dimanche glorieux. C'est un dimanche glorieux. Ça les touche. 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 Il atteste la gloire. Prédicateur, évangélite, la sœur la noire. Bien aimé, je vois des anges en ce lieu. Rocheke bébé bro. Yatarabase. C'est ton jour. 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 Et mis à part, Dieu t'a choisi. Dieu t'a localisé. Il t'a localisé. Il t'a localisé. Derrière la salle, il y a 10 jeunes. 10 jeunes. Simba, 10 jeunes, 10 jeunes, 10 jeunes, je ne sais pas là où ils sont. Je ne sais pas là où ils sont. Je ne sais pas là où ils sont. Mais j'attends dans mes oreilles. Ça sera un signe. Que ce toi, tu vas sentir tes pieds commencer à bouger. Comme courir. Dieu me dit, cette gloire t'amènera à l'accélération. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. C'est dans cette jeunesse. Le manteau, je sens le manteau. Amenez-le ici devant. Amenez-le ici devant. Amenez-le ici devant. Soyez remplis. 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 Receive now. Receive now. Yambasikoyo. Receive now. Ce que tu as perdu. Tu le récupères maintenant. Ce que tu as perdu. Tu le récupères maintenant. Où sont ces jeunes gens? Où sont ces jeunes gens? Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Et capoto capata. Et pas coché que babro. Et pas coché que papa. Tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es mis à part. La sœur là au coin. J'attends dans mes oreilles. Mis à part. Zambazo bimisayo. Dieu te fait sortir. Dieu te fait sortir. Il y a une loi de l'exception. Oui. Oui. Les choses changent. Touche. Touche. Now. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh yes. Oh Jesus. Yes. Oh Jesus. Oh yes. Et parabaskata. Parabashete. Parabasata. Mantorobosata. Un homme de Dieu puissant. Je vois un homme de Dieu puissant. Je vois un homme de Dieu puissant. Dieu est en train de le remplir. Mon Dieu, il va opérer dans les miracles. Là-bas, la sœur en rose là, celle qui est là à genoux, oui. Elle là. Elle là. Laisse-la, laisse-la. La gloire de Dieu sur elle. La gloire de Dieu reste dans sa présence. Il y a des choses qui se passent maintenant.
La soeur qui a la main sur la tête. Les deux. Le Seigneur me dit, il met des couronnes de gloire. Vous qui avez les mains sur la tête. Par cette humilité, Dieu me fait voir une porte qu'il ferme. Ne pensez pas à ce qui est passé. Il dit aujourd'hui, il ouvre une porte où l'opprobre va être roulé. L'opprobre va être roulé. Et ce matin, il dit ceci, il est fidèle. Il dit, il est fidèle. Tout ce que le diable a prévu contre vos vies, il t'a localisé ce matin. Et te dire, il commence une nouvelle histoire avec toi. Roshekemai, Yeshekemai. Roboshekemai. Mato Roboskete. Cheke. Mon Dieu. La sœur à lunettes. Lève sa main demain. Je sens une grande sensibilité en toi. La main de Dieu sous toi. Tu accompliras des choses. La gloire de Dieu la remplit. Dieu voit tes sacrifices. Mon Dieu, il a vu tes sacrifices. Ça va monter dans tes pieds, voilà. Ça va monter dans tes pieds, voilà. Ça va monter dans tes pieds, voilà. Tu es l'instrument que Dieu a choisi. Dans ta famille. Chaque. Elle est. Oh. Je prie que ça monte. La bonne lettre matin. Carabascata. Et pour chanter. Patoro Bouskete. Lève les jambes à deux mains dans la présence de Dieu. Tomo na mabogo moke na bosa na nzambe. Celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. Oh ya banda ki mosala na ko sukisa yango. Jesus, shake mama brosi. Il achèvera. Ako sukisa yango. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ton temps de briller. Ezantango na ko ngenga. Il t'a sanctifié. Abulisio. Il t'a purifié. Apetolio. Il t'a fusionné avec lui. Il te oint ce matin. Garde silence là où tu es. Il y a des mises en place. Je vais terminer par là. Au-delà de ces quatre murs, dans ton lieu de travail, je parle précisément à tous ces hommes venus ce matin ayant une passe-là de responsabilité. Ces choses n'est pas juste la panace des jeunes. Mais Dieu est en train de lever une élite. Je ne sais comment le faire. Mais Dieu dit, il marchera devant vous. Il marchera devant vous. Même toutes ces dames haut placées. En ces temps de crise d'autorité, ce séminaire a été des moments de remplissage. Il y a une forte onction de Dieu sur toi. Je l'ai senti du haut de l'estrade. Et pas comme à casser les alcools.
Je vois le Seigneur oindre tes pieds. Oindre tes pieds. Qui sont beaux sur les montagnes. Le Père se chante devant vous. Que cette onction vous amène. Dans les instances les plus élevées. C'est l'ère de l'Église. Il sait l'atmosphère spirituelle. Et là où tu travailles. Mais en ce lieu, tu trouves la puissance qu'il faut. De percer. Là où personne n'avance. Je prie que l'huile qui était sur Joseph, sur Daniel, soit sur chacun d'eux. Qui était sur Esther, soit sur chacun d'eux. Afin qu'ils brillent dans leur génération. Mélodie venue du ciel. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Lève ensemble nos mains. Lève ensemble nos mains, adorons le Seigneur. Alléluia, fais le bien, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame le roi. Acclame-le. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut exagérer en poussant des cris de joie? Alléluia. Que Dieu soit béni. Je veux que quelqu'un acclame encore le Seigneur. Quel culte de gloire. Amen. Ne sois pas distrait. Laisse Dieu continuer à toucher. Même si ton voisin est touché pendant les offrandes, ne t'occupe pas de lui. Laissez l'intention faire le travail. Amenons des chaises pour les amis qui sont là. Service d'accueil. Vous devez le voir et anticiper toujours. Père, agrée ces offrandes que nous t'apportons, qu'elles contribuent à l'avancement de ton œuvre. Glorifie-toi dans la marche de ton Église, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Voilà, nous récoltons les offrandes. Pour vous qui nous suivez en ligne, veuillez consulter les coordonnées qui défilent sur votre fil de commentaires pour vos dîmes, offrandes, dons et libéralités. Anniversaire. 1 an de Naël Rudi Nseka depuis le vendredi 20 août 2021. Sœur Jocelyne Moli Lamputu, hier samedi 21 août. Maman Thérèse Katoka, aujourd'hui dimanche 22 août. Frère Carlos Caïté, aujourd'hui dimanche 22 août. S'ils sont là, s'ils peuvent se manifester. Nos programmes. Chaque dimanche, premier culte de 7h30 à 10h. Deuxième culte de 10h30 à 12h30. Écodime aux mêmes heures, soit de 7h30 à 10h, premier culte. Et de 10h30 à 12h30, deuxième culte. Notez bien, soumettons-nous à l'entrée de l'église ainsi qu'à l'écodime aux mesures sanitaires. Pas d'attroupement dehors à la fin du culte, s'il vous plaît. Nous vous encourageons à servir Dieu ici à l'église en passant d'abord par les enseignements des discipolats. Ces enseignements se dispensent chaque dimanche après le deuxième culte, c'est-à-dire à 13h. Poursuite des enseignements de baptême aujourd'hui dimanche 22 août 2021. Après le second culte, c'est-à-dire à 13h, Marc 16, verset 16, « Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. » Marquis de prière 2. La jeunesse Marc invite tous les jeunes de l'Église et d'ailleurs à des moments intenses de prière pour les heurtements dans tous les domaines, avec un accent particulier pour les finalistes aux examens d'État,
date le samedi 28 août et 4 septembre 2021. Thème, par ta bonté, à toi de m'exercer. Psaume 69, 17, verset 17 jusqu'à verset 18. Intervenant, notre pasteur, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Yves Mbandoua, le frère Zoé Fabrice Poutou, le frère Pierrot Mumba et le frère Onik Bongonda. Notez bien que tous les serviteurs de la jeunesse se retrouvent autour de leurs responsables à la fin de ce culte. Culte spécial de serviteurs pendant 25 minutes, de 6h45 à 7h10, le dimanche 29 août 2021, nous prierons toutes les directions réunies. Notez bien les responsables des directions, assurez-vous de la présence des serviteurs sous votre responsabilité. Midi en prière, intercession victorieuse. Rendez-vous cette semaine de 11h20 à 13h. Orateur, notre pasteur, le pasteur Dédé Landou, le pasteur Annie Kondo, le pasteur Patti Sitoazola et le pasteur Junior Bougento. Nous vous encourageons à visiter notre table de littérature à chaque entrée de l'église et à jeter un coup d'œil à notre valve. Journée d'intercession de tous les serviteurs de l'église autour du pasteur obligatoire, chaque vendredi ici à l'église de 9h à 13h. Nous sommes en état de jeûne chaque vendredi. Les responsables de direction sont tenus de veiller à la présence des serviteurs de leur direction qui doivent participer à ces programmes, ceux qui ne vont ni au travail, ni aux études durant cette tranche d'heure. Veillons sur nos effets durant nos cultes et programmes, s'il vous plaît. Sac, téléphone et tecterie. Gagnons les âmes, s'il vous plaît. Sinon, sachant qu'Ézéchiel 3, verset 18, nous rappelle que « Quand j'y dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne les avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Amen. Tu as raison d'acclamer. Voilà, on va y aller rapidement. Vous avez déjà reçu ces tracts. Donnez-les aux membres de famille, ceux qui nous entourent dans nos maisons. Si vous n'avez pas encore eu, sollicitez-les auprès du service d'accueil. Les enveloppes par rapport aux hôtels que nous avons bâtis pour ce programme, si vous n'avez pas encore remis, remettez. Si Dieu vous met à cœur de bâtir, bâtissez. Apprenez à vous connecter à l'alliance d'un programme en bâtissant des hôtels avec les enveloppes. C'est très, très important. Les enveloppes des dîmes, services d'accueil, levez-le. Nous sommes déjà à la fin du mois. Sollicitez-les, demandez-les. Même si vous n'avez pas votre dîme sur place, mais demandez l'enveloppe. Prenez cette enveloppe. Dimanche prochain, on va remettre les enveloppes des dîmes. Vous les savez, chaque dernier dimanche du mois et chaque premier dimanche du mois qui suit, nous donnons la dîme. Moi, personnellement, depuis que l'apôtre Roland m'a parlé en 2011 ou 12, je ne paye plus la dîme 10%. Je paye toujours 20%. 20%. Il m'arrive même, j'ai un montant. Tout le montant, je donne à Dieu. Si tu ne donnes pas, financièrement, tu seras compliqué. Tu auras beaucoup d'onction. Quand tu lèves la main, les gens tombent, même piaquer. Et ce n'est pas beau. Amen. Amen. Voilà donc. Dis à ton voisin de gauche et de droite, ne sois pas dimovore. Gauche et droite, ne sois pas dimovore. Ce que c'est Oliaka dim, c'est un voisin, pardon. Nobani, Limbisanga Moena qui n'est pas pasteur. Nzamba Limbisanga, yep sa voisin. Bangana liaka dim et goût. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc dimanche prochain, le pasteur Michel se tiendra ici à ma place et recueillera la dîme pour le Seigneur à ma place. Et le pasteur Michel va se déplacer pour Mbujimaï. Il quitte. Dimanche, est-ce que dimanche prochain, pasteur Michel sera au culte? Je ne sais même pas. Si ce n'est pas pasteur Michel, ça sera le pasteur Patrick qui le fera. Parce que pasteur Michel part avec le prophète Grâce Mwamba pour Mbujimaï, où je les ai mandatés pour une mission évangélique. Donc c'est une action d'impactation
Et que Dieu soit béni. Nous vous annonçons les bénédictions nuptiales de bien-aimés. C'est après Daniel Madi, Kazadi et sœur Arlette Ibo Famputu. Fitiringo bien. Donc Kasai Nabandund. Et yo yip sabiso ke mboko toya ko kabwana. Hein? Ganga makasi fitiring. Daniel Madi Kazadi vers les Kasai. Sœur Arlette Ibofa. Lac Maindombe. De la direction de la jeunesse. Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont là? Daniel et Arlette. Venez. Est-ce qu'on peut acclamer? Mag. Quand tu acclames, il y a moi nano ezoya. Pendant ce temps, Trésor Mangala et Sandrine Pounantsasi de notre direction d'accueil s'avancent aussi. Venez. Est-ce qu'on peut acclamer, Église? Meta mon lolo et sa fête. Voilà. Il y a Daniel et Arlette. Arlette est de notre département de jeunesse. Dieu les bénisse. Ils vont rentrer sous nos acclamations. Frère en main. Trésor Mangala et sœur Sandrine, rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Est-ce qu'on peut acclamer? Daniel Mabila et sœur Lorraine Mbo s'avancent déjà. Voilà. Donc nous avons frère Trésor et la sœur Sandrine qui est de notre direction d'accueil. Ils vont rentrer sous nos acclamations. Daniel Mabila et Lorraine Mbo. Voilà, ils sont pas là à ces cultes. Et dernier culte, Fabi Lopoke et sœur Sandrine Mabemba. Sont-ils là? Voilà, nous acclamons le Seigneur quand même. Ceux qui doivent se marier, vous le savez, vous déposez vos tests de grossesse 3 jours avant le mariage, au bureau. Pasteur Michel, pasteur Joseph, pasteur Patrick, nous vérifions les tests. Si la personne qui amène les tests est grosse, Akanga misem, il a tiba kushaka. 1, bah on a ta voile, t'es pour autour long la bonne sous voile. 2, ils ne seront pas bénis à l'heure de tout le monde, mais on les bénit avant midi, cérémonie rapide. Retenez ce que j'ai dit et ne faites que ce que j'ai dit. Parce que bah longo la voile, il a tiba to yebani na nuté, toi, yo solo la voile kala, surtout là tu voile boy. Ou passer yo kelanga ma honneur nanga, famille nanga, famille no fi baiba ke kushaka. Donnez-moi un amen, très bien. J'ai dit ça en public et ça se fera tel que j'ai dit. Kobomele motote. Samedi 4 septembre, ici à l'église à 11h, frère Hermès Bissibinga de la direction accueil et sécurité et la sœur Joël Mouchia Kadima. Où êtes-vous, Hermès et Joël? Où êtes-vous? Tango zobeta maboko wana ya yo pe zoya. Ya mwana na yo. Ya cousine na Yohana. Frère, tu qui sert ma casse bonne. Boza mi balé, ou comme mi balé, ça sur yo mon côté. Voilà. Notre bien-aimé va venir de ce côté. Et la sœur Joël va rester là. Donc j'ai béni Dieu. Toutes ses fils, filles, nous avons vu venir à l'église, faire le premier pas. Surtout lui, j'ai béni le Seigneur. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai vu ses efforts, ses progrès. D'abord loin de Christ, en Christ, et il s'est donné totalement. Et quand je vois qu'ils arrivent là, oh, c'est le plus grand salaire pour moi. Je n'ai pas besoin d'argent. Mais le voir arriver là où ils sont et là où Dieu va les amener, ça fait partie de mes récompenses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hermès. De savoir qu'est-ce que je lui ai dit, lui-même sait, moi je sais. Tous les serviteurs qui n'ont pas. Voilà, à la fin de cette réunion, tous les serviteurs de Dieu, vous allez rester pour 5 minutes. Dès qu'on dit Amen, serviteur de Dieu, ma solote, Topusani Libosom, Balamongo, tout département confondu. 4 vendredis de gloire, ce vendredi 27 août, le 3 septembre, 10 septembre, 17 septembre, la puissance et la supériorité du sang de Jésus-Christ. Orateur, pasteur Dédé, pasteur Annie, pasteur Michel Lopoussa. Ne venons pas seuls et invitons plusieurs. Les tracts que vous avez reçus, partagez-les. Tous ceux qui ont reçu les enveloppes pour bâtir les hôtels de 2 semaines, remettez-le. Les dimanches prochains sera les derniers dimanches du mois. Les dîmes seront recueillies. Nouveaux venus, nous voulons vous recevoir. Où êtes-vous? Levez la main là où vous êtes.
nouveau venu. C'est pour vous la première fois. Oui, levez. Levez bien haut. Levez bien haut. Levez bien haut. Ne soyez pas timide de ce côté. Voilà, mettez-vous debout maintenant. Est-ce que l'église peut rassembler les deux mains et acclamer en poussant? Voilà, voilà. Plus tu acclames, plus ils se mettent debout. De ce côté, ne faites-vous pas là. Ne soyez pas timide. Voilà, merci. 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 Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans la maison de Dieu. À la fin, ne partez pas. Rapidement, venez ici à ma droite. Les amis enseignants vont vous dire un mot gentil. MAG signifie mission apostolique Golgotha. Que Dieu soit béni. Si vous avez une église d'attache, à votre retour, saluez les bien-aimés. Dites, la famille MAG vous a salué. Et si vous n'avez pas une église d'attache, cette église peut devenir la vôtre. Et l'endroit où vous êtes assis va encore vous réclamer pour les réunions de semaine et dimanche. Donc à la fin, regagnez les places ici à ma droite. 2-3 minutes, on échangera avec vous pour faire ample connaissance avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sous nos acclamations, ils reprennent leur place. Voilà. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Ne te relâche pas après cette grande action. La semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes au repos. Mais vendredi, nous sommes ici. La puissance et la supériorité du sang de Jésus. Je suis en train de vouloir mobiliser l'église afin qu'on fasse un effort pour notre deuxième service. Je te mets au défi. Je veux qu'au deuxième service, le nombre de personnes qui viennent croisse. C'est déjà plein, mais nous voulons vraiment que ça croisse. Zoé, évangélisation, nous devons faire un travail. Et on devra parler en aparté. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons nous lever. Nous allons avoir 2 prières de clôture qu'on donne à l'évangéliste de choper les micros. Il priera en premier. Et après, Papa Mayenda va prier en deuxième. J'ai demandé qu'on donne le micro et que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se mettre debout de partout où nous sommes? Matondona na yom kolo ponabo. Chante même sans vocaliste au fungoli. Lève la main droite, l'évangéliste Choupé va prier pour nous et après Papa Mayenda, Alphonse, va nous bénir et clôturer ce culte. Seigneur, nous voulons te dire simplement merci pour ce culte et te dire merci encore comme ton ouin l'a dit ce matin, le pasteur Mavungu, que les osias de nos vies tombent ce matin dans le nom de Jésus. Que tout osias de commérage, tout osias d'impudicité, tout osias de commérage tombe dans le nom de Jésus. Que ta gloire soit notre partage pendant cette semaine et que ton nom soit élevé pour tous dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Oui, ô éternel Dieu, Père de gloire, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce moment, nous voulons glorifier ton Saint-Nom pour ce moment merveilleux que nous offrons ce matin, Seigneur. Oui, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour avoir rendu disponible ce culte de ce matin. Nous te disons merci pour ta parole de ce matin, Seigneur, qui nous a édifié, qui nous a enseigné, qui nous a corrigé. Car c'est ta parole qui corrige, qui enseigne, qui édifie. Merci, Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi, ton seul Papa. Maintenant, nous sommes sur le point de retour, Seigneur, à combattre ton peuple. Que ce dimanche soit un dimanche qui soit béni par toi, par toi seul. Et quand nous allons à l'évangile, nous allons glorifier ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Voilà. Bon dimanche. Que Dieu soit béni.